n'y a pas trop de rumeurs. Vous avez dû lutter là. Ah, mais j'ai trouvé. J'ai trouvé. Bon, j'ai fait les fonds de lunettes. Alors, première rumeur. Comme Arnaud Montebourg, vous portez la même marinière Armor Luxe. Oui, je la portais même. Avant, Armor Luxe, en plus, était partenaire de la tournée. Donc il, non seulement il m'avait gentiment offert des marinières, à moi et à mes musiciens, à toute mon équipe. Donc, oui, j'étais en Armor Luxe. Mais ça vous va avant bien. Avant Arnaud Montebourg. Mais non, mais on aime ça, la marinière. Ça n'a jamais été aussi tendance, la marinière. La marinière est devenue un au-delà de cette couve avec Arnaud Montebourg, c'est devenu un intemporel, comme le jean, oui. Comme les. Les rayures horizontales, ça ne va pas à tout le monde. Hein, non plus. Moi, c'est un basique. La marinière est un basique. On m'a expliqué ça, donc comment ça va bien l'après-midi. Ils me disent il ne faut pas mettre des pourquoi des c'est vertical. Ça fait grossir. Ça fait grossir, ça, voilà. Ça fait pas, c'est pas que ça fait grossir, ça grossit. Ça grossit, voilà. Vous n'êtes pas obligé de les manger non plus. Ça souligne, c'est-à-dire. Ça souligne. On ne voit plus l'espace entre deux rayures. Exactement. Alors, vous auriez, on va parler mode, un peu chiffon, vous auriez une centaine de paires de chaussures et une trentaine de chapeaux. D'ailleurs, vous en portez un ce matin. Pas autant. Oui, mais j'ai toujours un chapeau, comme les Bretons. J'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Donc j'ai toujours un couvre-chef, mais autrement, les chaussures, non, peut-être pas autant. Hein, peut-être pas autant. Non, non. Mais j'aime bien ça, les chaussures. Alors, troisième rumeur, il y a un geste incroyable. Il paraît que vous parfumez avant de monter sur scène. Ah oui, tout le temps. Mais en même temps, les gens ne vont pas vous sentir de ce genre. Bah oui, mais je ne sais pas. Si. Il y a des musiciens ça. Quand même. C'est important. Il y a les musiciens, et puis comme il n'y a que des garçons sur scène et tout, et que, voilà, il faut un peu. Une touche féminine, un peu de parfum. Alors, autre rumeur, il paraît que vous seriez fan d'aquabike. Oui, c'est vrai que je fais de l'aquabike. Ah oui. Bah, c'est sympa de pédaler dans l'eau, moi j'aime bien. J'aime dans bien la ça. Smoule aussi, c'est pas mal. Dans l'eau, pas sur l'eau. Non, dans l'eau. Vous savez non, sur l'eau. Des dans l'eau. Bicyclette. Ah oui, oui. Sur l'eau. Ça s'appelle un pédalo. Le vélo bicyclette. Non, pas l'aquabike. À deux roues, en douille. À deux roues. Mais bon, j'en fais pas assez. En douille, c'est pas loin de minable. Oui. Je vais vous faire une lettre ouverte, Isabelle Morini-Bios, dans le JDD. Alors, autre rumeur. Vous auriez des objets fétiches, comme un quartz trouvé par votre aïeul à Puy-Guillot. Ah oui, c'est vrai. Ou une encre en diamant bleu achetée en Crète par votre maman. Le pays des sirènes. Le pays des sirènes, oui. Et oui. Bah oui, j'ai des petits objets. Que vous portez objets, autour du cou, d'ailleurs, je la vois. Cou, oui, très joli. Mais oui, j'ai des petits objets que je transporte comme ça avec moi, mon petit bric-à-brac fantastique, aussi bien. Puy-Guillaume. Oui, Puy-Guillaume. C'est le pays de Charras. Exactement. La ville de Charras. Puy-Guillaume, Saint-Yor, moi, où est ma maison de famille. J'étais au collège à Vichy et puis à la fac à Clermont-Ferrand. Ah ouais, je suis moitié bretonne, moitié auvergnate par ma maman. Pareil, vous êtes connus là-bas. Hein, ouais. Tout à fait. Vous auriez sur vous des images pieuses, enfin sur vous, avec vous, je sais pas forcément sur vous, des images pieuses comme celle de Saint-Bénilde. Oui, Saint-Bénilde. Mais moi, je suis une athée mystique en fait. Voilà, je suis pas baptisée, mais j'aime aller dans les églises, j'aime les endroits comme ça, mais pour l'énergie qu'il... C'est un guérisseur auvergnat. Oui, c'était un curé qui était dans donc cette église romane sublime qui a Turé, pas loin de Vichy, et qui a été canonisé parce qu'il a guéri. Il était guérisseur. Il allait dans un endroit dans cette église se recharger en énergie, un peu comme un magnétiseur. Et puis voilà, non, c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'aime me rendre. Est-ce que c'est pour cela que la religieuse caramel au beurre salé de Christophe Chalac est votre dessert préféré? Oui, là, moi, c'est plus quand je dis voilà, t'es mystique, c'est ça. Moi, la religieuse, c'est plus celle de Michalac et celle de ma petite sœur aussi, qui est pâtissière, et qui en fait des très très bonnes, des religieuses. Elle est pâtissière où ça? Ma petite sœur, là, elle vient justement d'avoir son diplôme. Elle va s'installer quelque part. Je l'inviterai la prochaine fois. Qu'elle vienne avec des religieux. C'est la plus jolie pâtissière de Paris. Elle a la plus jolie pâtissière de Paris. Vous donnerez l'adresse, on fera. Mais oui. On ira la voir. Il paraît que vous avez appris à tirer les cartes. Oui. On me les tire plus souvent, ma maman, moi, mais si je peux les tirer aussi. Mais c'est vrai que souvent, j'aime bien dans les moments importants de ma vie de me faire tirer les cartes, les tarots. Régis, un commentaire. En tout cas, après, il suffit d'interpréter les tirages. Mais c'est vrai dans tous ces moments importants, les tirages ont été assez, assez incroyables, les résultats en tout cas. Et puis, sinon, dernière rumeur, vous aimez les animaux empaillés de chez Dérolle.
Oh, moi, j'adore, vous savez, tout ce qui est... je suis un peu gothique. Non, mais moi, j'adore les cabinets de curiosité. Mmh. Moi, j'avais fait tout un album, justement, mmh. l'album avec Laurent Voulzy, s'appelait Histoire naturelle. Je parlais tout à l'heure de ce bric-à-brac fantastique. Moi, j'adore ça, moi, le cabinet de curiosité du 18e, tous les coraux, les, mmh. toutes les petites bestioles, les trophées comme ça, ramenés de voyage, mmh. tous les objets insolites. J'ai une passion pour mmh. cela.